Salut YouTube, c'est Karim Sarr. Alors aujourd'hui, on va continuer Giant Citizen Kabuto avec le chapitre 4. Où est Timmy? Donc, on voulait sauver Reg et Timmy. On a récupéré Reg, mais Timmy était manquant. Il n'était pas dans la prison quand on a ouvert les portes, ou carrément rasé. Et donc, on part à la place des tortures des marines pour le récupérer. Et leurs sortilèges sont mortels. Bon, au boulot. Je vous attendrai sous cet arbre. Bah voyons, le contraire m'aurait étonné. La place des tortures. Détruisez la porte de la place des tortures avec la bombe à pouf. Seule la bombe à pouf peut détruire ces portes. À court de bombe à pouf, allez faire vos emplettes. Essayez votre pistolet Millennium sur les bâtiments ou sur un groupe d'ennemis. Vous ne serez pas déçu du résultat. Attention, Malefic Rates. Il lance des sorts assez désagréables. Donc, je vais déjà virer cette arme-là. Et je vais prendre les mitraillettes parce que là, il y a des casernes de la serreur. On va la détruire. Il y a une tourelle là-bas au fond. Elle commence à nous tirer dessus. On va reculer un petit peu pour le terminer la serrure en sécurité. Voilà. Très bien. On a réussi à la tuer, à la détruire plutôt. Donc là, on va récupérer une seringue, le bouclier. Et on va prendre un peu de hauteur pour voir ce qu'il en est. Ok. Ouais, nous tire pas dessus, toi. Le problème, c'est que mes coéquipiers, ils s'envolent très rapidement. Bon bah voilà, on en a déjà un en moins. Très bien. Il y a encore des casernes, donc on va calmer le jeu. On se regroupe. On se regroupe. Le voilà. D'accord, je me suis fait toucher. On va aller, on a secoué une des casernes. Donc on va aller la détruire. Voilà, ce serait bien de mourir, voilà. On s'est un peu trop rapproché, ça commence à remuer beaucoup. On a touché la caserne là-bas. On va la détruire. D'accord, ils sont tous les deux tombés. On va se soigner. Nickel, il y en a qui est là. On va reculer. Les deux sont de retour.
commence à y en avoir pas mal là, des petits à la serrure. Donc là il va falloir détruire la caserne, comme ça on sera tranquille. Voilà. On a fait le ménage. Et maintenant je vais retourner au petit magasin pour récupérer des munitions. J'ai plus beaucoup pour la mitraillette, ni pour le sniper. J'ai aussi besoin d'une seringue. Voilà. On va détruire la case, la tourelle. Celui-là, on va l'avoir. Lui aussi. Bon. On s'est un peu trop rapproché. On va détruire cette caserne-là. Et oula. Je vais me replier. Voilà, on va se soigner. Allez hop, au cas où ils arrivent rapidement. Parce que eux continuent à se déplacer même quand on est dans le magasin. Résultat, on peut se faire tuer quand on est dedans. Mais j'arrive pas à le toucher. Voilà. Tranquillement, j'ai plus de sniper. Donc, on va recharger tout ça. Et hop là. Eh bien, ah, hop. Donc, me soigne, vu qu'il m'a droppé une petite seringue, j'en profite. Il a carrément explosé. Très bien, je n'ai plus de méca. Ouais, j'ai plus de munitions. Très bien. Ah ouais, non, j'en ai vraiment plus aucun. Ils réapparaissent plus là. Bon, vu que j'ai plus de munitions, je vais retourner au magasin. Un peu compliqué cette mission. Après, je pense m'y être mal pris. Et là, le canon Millennium. Voilà.
loupé. Et immobilise-toi. Bon, je le vois pas. Je vais essayer de rester loin, comme ça je pourrais aller voir s'il me tire dessus. Bon. À ce point-là quand même, mais... Voilà. Très bien. Par contre, j'ai plus qu'une mission, là, si je veux l'avoir. J'en ai vu un se déplacer derrière cette butte-là. Voilà. Donc là, les snipers faisant de gros dégâts, on voit les deux mages là-bas. Je vais aller recharger encore une fois pour pouvoir leur faire du mal le temps qu'elles m'atteignent. Je n'utilise vraiment pas du tout les bonus du jetpack, enfin le bouclier là en tout cas, en l'occurrence. Et là, il va falloir que je fasse très attention, car elles font très très mal, celles-là, si elles m'atteignent. Avec leur sort qui brûle et tout ça. Très bien, elle n'a pas réussi à m'atteindre, mais il y a un mec qui me tire dessus, là. Bon, je sais pas ce qui se passe, il bug là. Oh, il a des munitions sniper. 3 munitions, ça devrait être suffisant. Enfin, pour utiliser autre chose, ça veut dire. Voilà. Nickel. Bon, ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Mais finalement, on a réussi. On va prendre la petite bombe à pouf. Ah. Voilà. Enfin, la petite. Je m'entends. La grosse bombe à pouf. Et on va pouvoir faire sauter les portes. Et voilà. À la recherche de Timmy. Impeccable, trop top. Quoi, la bombe? C'est qui? Oula, eh oh, du calme mon pote, c'est une marine. Ça, c'est Delphi, la fille de Sappho. Ce n'est pas une marine comme les autres. Elle n'approuve pas ce que son peuple fait subir aux Smarties. On l'a surpris en train d'espionner. Non, je ne te laisserai pas faire. Ah, enfin, à la tienne. Alors, quoi de neuf dans le quartier? La routine, le sacrifice mensuel à Kabuto. Ah, je vois, ça m'a pas l'air bien gay. Et qui c'est qui passe à la casserole? Un boss, Timmy, je crois. Timmy? Excuse-moi, mon lacet est défait. Tu peux me tenir ça une minute? Oh, là. Timmy! 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 Mais putain, vous allez vous calmer, bordel! On sait, on a vu! Il est en bas! Ah! Les salopards! Bon! Hé! Hey, du calme, papy! Mika, parez au combat! Kabuto, arrive! Non! Et commencez à me brouter!
c'est pas possible. Il n'existe pas. Principal, ok, propulseur arrière, ok, panier pique-nique, ok, bon, on y va. DBB, détruisez la progéniture de Kabuto en visant le point faible situé au ventre. Conseil, soyez prudent quand bébé vous fonce dessus. La seule manière de blesser est de tirer sur son point faible. Bon, après un petit sacrifice à la King Kong, on va s'occuper des progénitures. Donc c'est ça le petit point faible. Oula. C'est pas hyper compliqué. Faut juste bien viser. Merci, monsieur. Là, je ne vise que très mal. Et en plus, quand il bouge... Oh, mais... Tu vas nous laisser tirer dans les couilles ou quoi? Ouh! Oh, oh. Ah ouais, mais je tire à côté, donc c'est ça le problème. Allez, par ici, tourne-toi. Non, 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 non. Dans la gueule. Bon, là, va pas falloir que je déconne. Parce que... Nickel, je l'ai eu. J'étais presque mort. Encore un coup ou deux, j'étais mort. Je m'appelle Bourgeoisie. Bourgeoisie. La planète Mallorca peut attendre. La plage va pas s'envoler. Mais là, tu vois, maintenant, c'est ma guerre! T'as tout pigé, Tel. Liberté! Allez, Bourgeoisie, il faut nous filer un coup de main. Ah, je peux encore l'entendre hurler. Ah, ok. Je vais vous emmener jusqu'à la forteresse des marines, là où le vaisseau de vos amis s'est écrasé. On aura besoin de leur aide. Gordon et Bennett en bien mauvaise posture. Objectif de mission, dirigez-vous vers la forteresse pour retrouver Gordon et Bennett. Utilisez le jetpack amélioré dans le magasin pour traverser la mer et atteindre la forteresse. Alors ils ont quand même réussi à enterrer quelque chose, sachant qu'il s'était fait bouffer. Je sais pas... Soit il a un système de digestion très rapide et ils ont... enterré les excréments. Ou alors, elle est vide. Très bien, lui, il y a un petit bouquin.
The Diaries of Samuel Pepys. Alors, je vais prendre une petite seringue et le jetpack amélioré, sans quoi je ne pourrais pas franchir l'eau. Comme ils nous ont conseillé dans le petit briefing de mission. Et on traverse cette étendue d'eau. Et on termine à la nage. Voilà. Nous embête pas trop, toi. Et maintenant, je crois... Ouais. On va se taper tous ces petits lacéreurs. Parce qu'on a média les glandes. Voilà. En plus, on peut se soigner comme ça. Tranquillement. Et on continue à progresser. On fera aucun quartier. La mort de Timmy sera vengée. Après le sacrifice à King Kong. C'est ma guerre à la Rambo. Donc voilà. Ouais, il y a une toile en haut, donc on va pas voler. On va s'occuper de ces snipers là. Voilà. Il y a encore des tourelles de l'autre côté. Et par contre, il y a un sniper. Très bien. On va s'envoler et voir s'il n'y a pas des munitions ici. Non. Et on va prendre encore un peu de hauteur. Donc. Voilà. On va détruire cette tourelle là. Et ici. On va. Mes alliés tirent dessus. Ils devraient la détruire dans pas trop longtemps. Voilà. Va nous permettre de traverser tranquillement. On va faire gaffe parce qu'il y a quand même d'autres. On va les détruire aussi. Bon d'accord, on est trop loin, ils tirent à côté. Maintenant celle-ci. Voilà. À l'attaque ! Ok, j'avais tiré dessus pourtant. Très bien, on l'a eu. On va faire un petit peu... on va se recharger un petit peu. Oh là. Voilà. Et voilà, on va détruire ceci, on va les envoyer faire un peu de ménage, quoi que non. Bon là, il ne touche pas, il tire dans le vide. Voilà. Ah merde, je voulais tirer mais j'ai plus de munitions, donc forcément ça ne tire pas. Ça pose des petits soucis.
Toi aussi, on va s'occuper de toi. Il y en a encore un là. Nickel, on l'a esquivé. Je vais me soigner un petit peu. Prudence et mère de sûreté. On est au bout du chapitre. Ça serait quand même dommage de mourir là. Voilà. Allez hop. On l'a détruite. Un petit sniper ici. Très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. On a sécurisé la zone. Ah, pas tout à fait. Ça m'a l'air d'être tout bon. Donc là, normalement, c'est la fin du chapitre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dire ce qui vous a plu, vous a déplu. À mettre des pouces bleus, des pouces rouges, mais si vous mettez un rouge, n'hésitez pas à me dire pourquoi, pour que je puisse m'améliorer les prochaines fois. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos de ma chaîne, à vous abonner. Et sur cette vidéo de fin de chapitre, je vous dis à la prochaine. Allez-y, le radeau de Borgesi est là-bas. Je vous retrouverai plus tard. Bravo, c'est malin. Quand la reine va s'apercevoir que Delphi a changé de corps, elle va mettre le paquet pour se venger. Eh ben vas-y, t'as une meilleure idée peut-être. Bon allez les gars, je connais un point tranquille. Je vais vous enseigner l'art de la construction de base. Il est temps de s'organiser.